Adeline Blondio, l'une des stars de la série Sous le Soleil, se lance dans une nouvelle carrière. C'est loin des plateaux de tournage que veut maintenant vivre l'ex-femme de Johnny Hallyday, comme elle l'a récemment dévoilé. Adeline Blondio est surtout connue du grand public pour son rôle de Caroline Drancourt dans la série télévisée Sous le Soleil. L'actrice a également joué dans Les Filles d'à côté, Les Nouvelles Filles d'à côté, Femmes de loi et Section de recherche. Mais depuis quelque temps, la comédienne semble s'éloigner des plateaux de tournage et aspire à une nouvelle carrière. C'est aujourd'hui une existence loin des paillettes que veut vivre l'ancienne femme de Johnny Hallyday. Et pour cela, elle a un projet professionnel bien précis. Ce dimanche 24 novembre, Adeline Blondio a dévoilé son nouveau métier aux internautes dans un message publié sur Instagram. Chers tous, j'ouvre mon cabinet de sophrologie à Paris dans le 9e, les mardis et les jeudis. Je suis spécialisée dans la gestion du stress et du burn-out chez l'adulte et la gestion de l'émotion chez l'enfant. Bon week-end, a annoncé la mère de famille. Un mot signé sobrement, Adeline, sophrologue. C'est donc une toute autre carrière que la star de Sous le Soleil a décidé d'embrasser. Pour accompagner cette annonce, Adeline Blondio a simplement légendé les bonnes résolutions n'attendent pas. Les internautes ont rapidement salué cette décision et encouragé la jeune sophrologue reconvertie, réussite assurée, super, bravo, quel beau projet. Il y a quelques jours, elle avait également annoncé la sortie de son livre Le yoga des enfants chez Le Courrier du Livre. 260 pages de conseils pour pratiquer le yoga en s'amusant et se relaxer facilement. Loin des caméras, Adeline Blondio veut maintenant se consacrer à sa nouvelle vocation, le bien-être.